La fameuse tête de débroussailleuse universelle pour débroussailleuse thermique. La question qui revient sur tous nos salons, sur toutes les foires expo que nous faisons, c'est est-ce que ça s'adapte ? Alors on va vous montrer comment ça s'adapte et sur quelle machine ça s'adapte. Cette tête de débroussailleuse universelle s'adapte sur toutes les débroussailleuses thermiques sur lesquelles vous pouvez monter une lame. Pour pouvoir monter notre tête de débroussailleuse, il faut d'abord commencer par enlever la lame. Pour enlever la lame, dans le bras de la débroussailleuse, vous avez un trou qui va vous permettre de bloquer un tournevis pour bloquer le système de rotation. C'est un pas inversé, donc on visse en dévissant et on dévisse en vissant. Donc là, on veut dévisser. Donc on va visser, évidemment. Vous pouvez positionner la clé comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Finir à la main. Donc, vous enlevez votre écrou. Protection. Le premier disque dont on n'a pas besoin pour notre tête de débroussailleuse. Et la lame. Vous arrivez ici à un épaulement qui correspond à tous les épaulements de lame, c'est-à-dire 1 pouce de 21, mis à part pour les marques Stihl, Husqvarna et Jonasberg, où cette fois-ci, il faudra adapter cette petite bague d'épaulement qui est fournie avec la tête de débroussailleuse. Pour la tête de débroussailleuse, rien de plus simple, deux parties. Ici, on retrouve le fameux épaulement de notre lame. On va dévisser cette partie, bien sûr, c'est toujours pareil, c'est un pas à gauche. Sinon, quand la machine démarre, la tête se dévisse. Donc voilà. Donc cette partie-là indépendante, c'est pour la fixation de la lame. Donc vous allez la positionner à la place de la lame. Dans le kit, vous avez des épaulements supplémentaires. Donc on va mettre une rondelle autour de l'écrou, autour du boulon, pardon, pour pouvoir venir mettre l'écrou. L'écrou, toujours pareil, on le revisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous reprenez la clé de votre machine. Et on va finir de visser tranquillement. Et une fois que votre système de fixation de la tête est bloqué, comme ceci, vous allez prendre la partie qui contient les fils, positionner sur la partie de fixation. Et voilà comment ça marche. C'est tout simple. Donc les avantages de cette tête sont multiples. Comme vous le voyez, vous êtes collé à la machine, contrairement à la réserve de fil où vous avez toujours 5 cm de décalage, où il y a toujours de l'herbe qui vient se mettre au-dessus. Vous avez 4 sorties au lieu de 2. Sur un bobinage traditionnel, vous êtes comme ceci. Donc le fil va s'user 2 fois plus vite, inévitablement. Avant-dernier avantage de cette tête de débroussailleuse, c'est l'usinage des trous qui permet au fil une certaine mobilité quand il rencontre un obstacle, une fougère un peu plus grosse que les autres, ou un morceau de caillou ou quelque chose, de ne pas casser net à la base comme sur un bobinage traditionnel où vous poussez le fil vers l'extérieur. Et enfin, dernier avantage, le changement de fil. Une BTR de 6 qui est fournie avec clé Allen de 6, évidemment. Et voici. Et voici. Vous allez pouvoir monter dans cette tête des fils de 3 carrés, des fils de 4 carrés. Si vous avez une machine assez costaude, c'est-à-dire au-dessus de 30 cm cubes, vous allez pouvoir monter du 3 carrés en double, comme sur cette tête ici. Donc ça, c'est une petite débroussailleuse de 25 cm cubes. Donc on va faire une démonstration avec du fil en 3 carrés de chez Carbon Flex. Choisissez toujours des araseurs au carbone plutôt que des araseurs au nylon. Le nylon a tendance à chauffer avec la rotation, donc à se casser plus facilement, ce qui n'est pas le cas du carbone. Vous revissez bien, de façon à ce que les fils tiennent bien. Vous coupez, vous voyez, un peu en dessous de la longueur du carter pour pouvoir travailler tranquillement, sans faire trop consommer d'essence à votre machine. Vous avez une débroussailleuse thermique, vous en avez marre de votre bobinage, n'hésitez pas, prenez-vous une tête de débroussailleuse. On vous offre, vous regarderez sur le site, une bobine de 3 ou une bobine de 4 selon la précision que vous nous apportez sur votre commande. Allez-y, c'est du plaisir, c'est sympa. N'hésitez pas.